Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous ai fait une sorte de top 10 de parfums à porter, mais sans modération, cet été. Cette sélection, on est vraiment sur des parfums portables matin et soir, mais sachez que je vais vous réserver une vidéo sur des parfums beaucoup plus sexy, peut-être plus de soirée, une autre sur des parfums très frais lorsqu'il fait extrêmement chaud, et une autre petite surprise peut-être, tout ce qui est un peu parfum du Moyen-Orient. Donc dites-moi ce que vous voudriez voir en premier après cette vidéo. Et aussi, rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait et si vous avez envie de me suivre là-bas, puisque donc sur mon compte Glow Up by Réo, je partage de plus en plus, donc que ça soit mon parfum du jour, des sélections de parfums via des reels, donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos, vous êtes les bienvenus. On commence par un indispensable de l'été, l'Alien Goddess. Je trouve que ce parfum représente tout ce qu'on aime dans l'été et vraiment le parfum estival et solaire dans toute sa splendeur. On est sur un beau floral, un peu ambré, avec de très 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 belles notes, à la fois gourmandes de coco, mais aussi de fleurs blanches avec du jasmin sur un fond forcément vanillé, avec un peu donc ce qu'on appelle du bois de cachemire qui apporte un peu de corps. Et vraiment la structure de ce parfum fait que vraiment tout de suite on a cette sensation enveloppante, assez dense, assez presque sensuelle. C'est vraiment un parfum moi que je trouve que vous pourrez très bien porter, notamment en soirée, parce qu'il a ce petit truc en plus. Alors le terme de goddess, je le trouve mais tellement bien trouvé dans ce parfum. Alors autant dans Goddess Burberry, je trouve qu'on n'y est pas du tout. Là vraiment, on a vraiment l'impression un peu d'odeur de déesse de l'Olympe ou de dieu de l'Olympe. D'ailleurs, en fin de vidéo, je crois que je vous garde un peu le meilleur pour la fin dans cette catégorie-là. Mais c'est vraiment un parfum qui est à la fois, comment vous le décrire, sensuel, chaleureux, lumineux, mais aussi gourmand, addictif. Et je vous dis, il y a tout ce qu'on aime l'été. C'est-à-dire que un peu de fraîcheur à l'ouverture, mais du coco, de la vanille, de la gourmandise, de la sensualité, c'est vraiment à porter sans modération. Et en plus, je trouve que la tenue est très 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 bonne. Il a vraiment quelque chose de divin ce parfum. Je peux pas m'en empêcher de le sentir. Et on a vraiment envie d'en vaporiser, que ça s'arrête jamais. Tellement la sensation est très 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 agréable. Et un peu bah, dans ce même thème de parfum qu'on veut vaporiser à tout va, mais parce que on va être sur quelque chose de beaucoup plus léger. On part sur un cocktail à la fois aquatique, à la fois tropical et surtout zesté, pétillant et hespéridé, avec Curaçao Bay de Jacques Fasse. Alors là, c'est vraiment un parfum qu'on ne va pas prendre pour sa tenue extravagante, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez léger. Mais pour moi, il représente encore une fois le côté estival, c'est-à-dire que de la note des agrumes, déjà, voilà, des agrumes qui vont apporter le côté frais, vivifiant. Ensuite, on a des petites notes marines qui apportent ben, le côté un peu vacances au soleil et un peu ces embruns. Alors, c'est pas trop non plus aquatique ni salé, c'est vraiment juste la bonne dose. Et surtout, on sent ce frangipanier qui est la fleur de l'été. Le frangipanier est très présent, c'est ce qui donne ce côté estival. En plus, la couleur, ben, forcément, ça vous rappelle le cocktail de Curaçao. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce qui représente la légèreté, la frivolité, l'été, on lâche tout, on est en vacances, on se fait du bien et surtout on s'en vaporise mais avec générosité, parce que comme je vous l'ai dit, la tenue laisse un peu à désirer et on est presque sur un parfum que j'aurais pu classer dans les frais et dans les clean, mais comme il y a ce petit côté frangipanier un peu plus floral et ces petites notes marines aussi qui équilibrent le tout, ah, c'est vraiment super agréable. Ben, je l'ai préféré le mettre dans cette sélection là. On passe du Curaçao au champagne, voire au spritz, avec Flamingo Fizz de Supers, une marque que je viens de découvrir et qui propose vraiment des jus exceptionnels à prix très raisonnable. Alors les flacons sont sobres mais super beaux, carrés, le capuchon est aimanté, et ça c'est le petit détail qu'on adore, et la brume, il faut que je vous montre la brume, regardez ça, ça en fait ça se diffuse mais très très finement. Et alors Flamingo Fizz, on est sur un champagne, un kir royal. Vous avez vraiment le côté fruité, le côté boisson, le côté fusant plutôt, le côté effervescent. On a des baies, on a ben, ce champagne. Alors moi j'aime pas du tout boire du champagne, mais là on a vraiment cette sensation un peu de champagne, comme un spritz, mais sans l'amertume. Quoiqu'on a un peu l'amertume des baies, mais vraiment le spritz quand on le sent c'est très amer, mais je sais pas pourquoi moi ça me fait penser aussi à du spritz. C'est vraiment un parfum qui est joyeux. Alors pour l'été, mais aussi pour le printemps, vraiment c'est le parfum, on va dire, facile, décontracté,
qui tout de suite on a l'impression d'être sur une terrasse tranquille, à siroter un cocktail avec des amis. C'est pas prise de tête, c'est très joyeux, c'est facile, c'est lumineux. Franchement, je le trouve super bien fait et je trouve que la note de baie est très très belle. La note de champagne, de boisson un peu alcoolisée comme ça, pétillante, est très belle. Vous avez aussi du musc en fond, vous avez une petite pointe florale, peut-être du néroli, mais on n'a qu'une envie, c'est d'en vaporiser énormément. C'est un peu, ça vous fait une sorte de bulle au niveau de la tenue. C'est correct. Franchement, on n'est pas sur le parfum qui va tenir 12 heures et qui va être envahissant. C'est à la fois assez rafraîchissant, mais assez présent. Ça reste beaucoup mieux sur les vêtements que sur la peau. Mais voilà, c'est surtout cette sensation, mais hyper agréable. Et moi, tout de suite, de détente. On a vraiment l'impression d'être au moment de l'apéro avec ses amis. Ce que j'apprécie, c'est que l'amertume à la fois des baies et du pamplemousse, on l'a tout le long. C'est pas juste à la vaporisation, il évolue peu. Moi, ça me dérange pas du tout, un parfum qui évolue peu. Au contraire, même moi, j'aime bien quand du début à la fin, on sait à quoi s'attendre, on n'est pas déçu, parce que des fois, vous avez des parfums en ouverture qui sont merveilleux. Là, je pense à Wave Child, qui est merveilleux en ouverture, mais ensuite, qui sur le fond, est plus décevant. Là, par contre, c'est assez linéaire, mais on aime ça, parce que tout le long, on a ce cocktail effervescent, ce cocktail délicieux. Autre parfum qu'on pourrait un peu classer dans cette catégorie très fraîche, très estée, très hespéridée, mais qui a quand même une petite note un peu de cocktail, presque de... Alors, pas forcément de pina colada, mais vraiment, ce genre de cocktail tropical à base de coco et de citron vert, c'est le Malibu Party in the Bay de Simone Andreoli. Là, vraiment, on est sur une explosion de fraîcheur, une explosion d'agrumes, c'est très vif, très revigorant. C'est vraiment le parfum, quand on le vaporise, vous avez un peu comme l'effet Cologne, mais vraiment très fusant. Vous avez ces notes d'agrumes qui sont hyper acidulées et hyper revigorante. Ça vous donne une sensation d'énergie, ça vous réveille, ça vous fouette, mais en même temps vous avez le côté un peu eau de coco qui rappelle un cocktail et qui rappelle l'été. C'est super agréable. En fond vous avez un peu de rhum, mais on le sent sans le sentir. On sent un peu un côté alcoolisé. Il y a du bois de santal aussi dans la pyramide, mais on sent pas du tout de côté boisé. Pour moi c'est vraiment vraiment une explosion d'agrumes, mais on est vraiment sur le zeste, ou vraiment le citron vert avec qui a cette pointe un peu d'amertume et très 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 acide, et toujours avec cette eau de coco qui donne la sensation d'été, de vacances, de légèreté. Et celui-ci, mention spéciale, je trouve que niveau tenue, franchement pour ce type de parfum hespéridé, on est sur un parfum qui a beaucoup plus de tenue que la plupart des colognes, donc ça c'est très très appréciable. Après on est sur une eau de parfum intense, mais même parfois sur des eaux de parfum intenses ou sur des extraits de parfum, lorsqu'on est vraiment sur des notes hespéridées, sur les agrumes, en général ça tient très très peu et c'est plus vraiment en ouverture. Là quand même je trouve que la sensation, surtout ce côté un peu citron vert, vous le gardez assez longtemps. C'est le parfum un peu parfait en sortie de douche lorsqu'il fait très chaud et que vous voulez quelque chose tout de suite, qui vous réveille le matin, qui vous donne un coup de fouet, mais surtout qui vous donne de la fraîcheur, de l'énergie et ce côté vivifiant. On monte un peu plus en intensité, toujours un parfum un peu sur ce cocktail très estival, c'est-à-dire coco, agrumes, frangipanier, des notes de bois flotté avec Miami Nectar d'Hélice Brooklyn. On est vraiment sur un parfum qui est très équilibré, c'est-à-dire qui n'est ni trop sucré et noix de coco, ni trop floral, jasmin, fleurs blanches, ni trop salé avec, vous avez en fait la note de bois flotté qui apporte un peu de salinité, mais qui n'est pas trop dominante. Je trouve que c'est un bel équilibre et vous avez quelque chose qui n'est pas trop sucré mais tout de suite qui vous rappelle l'été, qui vous rappelle les vacances. La noix de coco est bien présente, mais c'est une noix de coco un peu cocktail, plutôt eau de coco. Et c'est très 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 rafraîchissant, on a toujours ce côté un peu exotique, un peu départ en vacances. C'est vraiment le parfum à porter lorsqu'on va à la plage, en soirée, vraiment le parfum de l'été. Vous êtes en vacances directement dès que vous vaporisez ce parfum, c'est vraiment un aller-retour direct dans une destination exotique en plein soleil. Mais je vous dis, je trouve qu'il est très 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 bien exécuté parce qu'il y a tout ce qu'on aime dans l'été, un peu de coco, un peu au début. Alors les agrumes c'est pas hyper noté moi je trouve, mais il y a le petit côté frais, on a le petit côté vanillé qu'on apprécie et le côté bois flotté un peu marin aquatique, mais une petite touche. Il y a un très très bel équilibre
entre de la gourmandise, mais aussi un côté floral. Si vous aimez les fleurs blanches, vous allez adorer. Et vous avez un peu ce côté bois flotté, alors qui va rapporter un peu de structure et de côté boisé. Et surtout, un petit côté un peu marin, mais vraiment très 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 léger. Juste ce qu'il faut en fait. C'est un peu, imaginons, ben, vous êtes en bord de plage, vous sirotez un petit cocktail avec de l'eau de coco, et vous avez légèrement de loin un petit embrun marin qui vient, et vous avez vraiment le côté un peu crème solaire avec les fleurs blanches. C'est très très bien fait. Un autre indispensable de l'été, c'est Utopia Vanilla Coco de Kayali. Là, on est sur le côté crème solaire, sensuel. On est sur à la fois ben, de la gourmandise, mais un côté très floral, enveloppant, presque crémeux, très, ouais, très sensuel. Vraiment le parfum qu'on pourrait même porter aussi en soirée. Il y a un petit côté presque, j'allais dire, coquin. On a du lait de coco, des fleurs blanches, beaucoup de vanille, du musc aussi. Alors c'est pas un parfum, par contre, et là sur moi il a pas énormément de tenue. Alors sur les vêtements ça va, sur la peau, eh bien j'ai besoin vraiment d'en réappliquer à peu près toutes les 2 ou 3 heures. Mais c'est vraiment celui qui va avoir le côté crème solaire, mais sans rentrer dans le côté terracotta ou le côté parfois un peu auto-bronzant de certains parfums. C'est juste ce qu'il faut entre des fleurs, de la crème, le côté estival, la noix de coco, mais vraiment je trouve que c'est un parfum très ouais, très solaire, très bien fait, très séducteur aussi. En journée, mais aussi voilà en soirée, c'est vraiment un parfum aussi qu'on peut utiliser éventuellement en layering. La marque Kayali d'ailleurs propose pas mal de layering. Vous pouvez le porter notamment avec Vanilla, je crois que c'est Vanilla 28, qui va apporter ben, du coup une dimension encore plus gourmande et vanillée. Mais franchement, c'est le parfum qui est très séducteur, très plaisant. On a envie d'en vaporiser, vous voyez, de se sentir un peu... Il a un petit côté aussi... pas princesse, mais voilà, ce côté très séducteur. Ensuite, on part sur un parfum divin assez différent de tout ce qu'on vient de voir et surtout de tout ce qu'on vient un peu de sentir, entre guillemets. On était vraiment dans des fragrances très connotation noix de coco, tropicale, estivale. Là, on a vraiment une fragrance qui pourrait être portée toute l'année, mais qui sera très très belle en cette saison. Moi je viens de la découvrir et je suis conquise. Donc c'est de la marque Nectar Olfactif, Secret du Nil. Alors déjà, moi j'ai eu un attachement particulier avec l'Égypte, alors l'Égypte antique, des pharaons. Je sais pas pourquoi, mais depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par cette civilisation. Les lieux me parlent, les odeurs me parlent. Et là en fait, on est sur un parfum fruité, gourmand, qui va avoir une note vraiment de bigaradier, donc vraiment l'orange amer, d'amande amère qui rappelle un peu presque un calisson, mais sans trop de sucrosité. Moi j'ai presque l'impression dans ce parfum qu'il y a de la cardamome. Il me rappelle le parfum Remember Me de Jovois. C'est très addictif et ce qu'on aime, c'est que c'est de la gourmandise mais sans la sucrerie. Il y a plein de notes différentes, il y a une petite touche de miel qui apporte ce côté un peu oriental mais sans trop. Vous avez aussi également des fleurs blanches, alors je pense que c'est du néroli. Voilà, il y a vraiment quelque chose de doux dans ce parfum, c'est apaisant. Moi je trouve que c'est vraiment un parfum apaisant. On a vraiment l'image d'être, je pense tout de suite au film d'Agatha Christie, vous savez, sur le Nil. Vous avez vraiment cette sensation-là, eh bien, de tranquillité, de fleuve qui coule. Et en même temps, vous avez tout ce côté un peu oriental, un peu gourmand, mais sans excès. C'est super beau, franchement. Et je pense que c'est un parfum. Là, ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai. Entre ces 2 semaines, c'est-à-dire entre le jour où je l'ai eu et là, ces 2 semaines, j'ai l'impression qu'il s'est un peu concentré, comme s'il était, comme s'il avait un peu plus... qu'il était venu un peu plus à maturation, et j'ai un côté encore plus gourmand qui est apparu, et vraiment c'est une merveille. Si vous aimez un peu voilà la cardamome, des parfums assez originaux, et si vous aimez un peu, ben ouais, je trouve que Remember Me, c'est le parfum qui me rappelle le plus celui-ci, mais vous avez vraiment cette côté, ah, cette amertume qui est super agréable, ouais, on sent vraiment le bigaradier. Mais en même temps, voilà, la pointe de gourmandise, du miel, franchement, c'est un parfum qui est exquis et ça donne envie en fait de découvrir un peu plus la marque. Je l'ai commandé sur le site de Maison Alchimiste, c'est arrivé très très rapidement et en plus, bah, le flacon, bah, ça évoque le soleil, l'été... Encore une fois, voilà, les destinations voilà, de vacances et surtout, ben, moi, voilà, l'Égypte et tout cet univers qui me fait rêver.
amoureux de la mangue, ne cherchez plus. J'ai cherché pour vous Carioca Art de Jukebox. Alors là, on est vraiment sur le parfum gourmand, fruité, mais vraiment ultra sucré, vraiment la mangue dans toute sa splendeur, ce parfum. Mais il est tellement beau, il est tellement beau si vous aimez bien sûr la mangue, le côté exotique, mais surtout le côté sucré, juteux, c'est super agréable, super addictif, super gourmand. On a vraiment le côté mangue, mais gourmand. La petite pointe d'ananas, il me semble aussi qu'il y a pas mal aussi de vanille, parce que vous avez vraiment ce côté sucré, mais c'est hyper juteux. Franchement, ne cherchez plus, enfin, vraiment si vous aimez le côté parfum gourmand autour de la mangue, parce qu'après avec la mangue vous pouvez en avoir des plus ambrés, des plus solaires, des plus équilibrés et un peu boisés. Là on est vraiment sur le côté juteux, sucré. C'est un parfum qui donne le sourire, c'est un parfum qui donne de l'énergie avec cette mangue, les notes sucrées. Moi vraiment ça me met du baume au cœur. C'est très apprécié par les messieurs, alors ça c'est impressionnant. Et en général, enfin moi j'ai toujours marqué, pourtant les gourmands, beaucoup de personnes critiquent les parfums gourmands, mais finalement c'est quasiment que les parfums gourmands qui récoltent le plus de compliments, en tout cas autour de moi. C'est dingue, mais vraiment, il y a quelque chose de délicieux et de... Ouais, solaire, estival, c'est un parfum, oui, c'est effectivement que je porterais pas l'hiver, hein. Quoique, pourquoi pas, mais vraiment, on a voilà, ce côté gourmandise, ce côté tropical, ce côté mangue, juteux. C'est droit au but, c'est pas très évolutif, ça a une très très bonne tenue, alors vraiment ça fait partie de toute cette sélection des parfums qui vont tenir des heures, que ça soit sur peau et sur vêtements, et ça on apprécie, surtout qu'on met du prix dans un flacon, et vraiment c'est pour moi la mangue, le parfum à la mangue, l'un des mieux réussis en tout cas, et dans le côté gourmand, pour moi gourmand et juteux c'est le plus réussi, et je vous le conseille, vraiment voilà, si vous aimez cette note, vous allez adorer. Lorsque je pense à l'été, et le premier parfum auquel j'ai pensé lorsque je me suis dit top 10 pour l'été, c'est Bora Bora de Giardini di Toscane. Je l'ai découvert l'année dernière et comment vous dire que je suis tombée amoureuse. Alors si je vais pour vous imager un peu ce parfum, vous voyez dans Wonder Woman, les Amazones, donc cette actrice qui s'appelle Connie, j'ai oublié son nom de famille, mais elle joue aussi dans Gladiator, vous avez cette femme qui représente vraiment la déesse de l'Olympe. Pour moi, ce parfum sent une déesse de l'Olympe. C'est vraiment le parfum sensuel et tout ce qu'on aime l'été. C'est-à-dire qu'il a à la fois le côté crème solaire, le côté tropical, le côté crémeux, le côté hyper sensuel. C'est à la fois vraiment le tiare, le lait de coco, l'ambre, le caramel pour la gourmandise. Je crois que de cette sélection, franchement, c'est un peu un coup de cœur. C'est tout ce que j'aime l'été. C'est vraiment pour moi le parfum sensuel que je vais pouvoir porter aussi bien en journée, mais aussi en soirée. Il a quelque chose même de sexy, et vraiment ce côté très 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 addictif, le côté crémeux, le côté doux. Je pourrais vous en parler pendant des heures là, mais j'adore ce parfum. Enfin, je trouve que le sentir, c'est l'adopter, après bien sûr, hein, si vous aimez un peu ce genre de vibes, mais voilà, il a ce côté sensuel, gourmand, fleur de tiare, estival, encore une fois, ça donne le sourire, ça, on a l'impression voilà, d'être une déesse de l'Olympe lorsqu'on porte ce parfum. Ça fait un peu crème solaire, ça fait un peu dessert au caramel, vanillé. Franchement, c'est hyper addictif et c'est un peu pour moi le parfum qui représente tout ce que j'aime l'été. On termine encore une fois sur un parfum assez gourmand qui a un côté estival, mais finalement qui pourra se porter toute l'année, notamment en soirée, parce que c'est un parfum qui est très très intense, très dense, qui a énormément de tenue. Je vous en ai parlé dans cette précédente vidéo, c'est Dizuman de Morphe. Alors là, dans Dizuman, vous avez vraiment énormément de tonka, vraiment une fève de tonka qui est très présente, mais aussi une noix de coco qui est aussi très très voilà, très présente. On a beaucoup de caramel, on a de la vanille, on a du musc, on a vraiment un parfum qui s'accroche, qui est peu évolutif encore une fois. Moi comme je vous le dis, ça ne me dérange pas du tout, mais vraiment on a ce côté très sensuel, très chaud, très enveloppant, vraiment le parfum presque qui va être trop fort en journée d'été, mais qu'on va adorer en soirée. Et au contraire, moi dernièrement, alors je l'ai porté au gala de danse de ma nièce, c'était un gala de danse formidable, en plus sur le thème de Michael Jackson, bon bref, et il faisait très chaud dans la salle, et en fait plus la soirée passait et plus j'avais les effluves qui montaient, la noix de coco, des fois j'avais le caramel, après j'avais la fève de tonka, j'ai adoré. Alors des fois c'était presque étourdissant et écœurant, mais au final j'avais une sorte d'halo et de concon autour de moi que j'ai adoré, et vraiment c'est un parfum
qui ravira les amoureux des parfums assez intenses qui ont du corps, mais tout aussi à la fois les amoureux des gourmands. Mais surtout, faut aimer quand même la tonka parce qu'elle est très 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 présente dans ce parfum-là. C'est peut-être pas un parfum que je porterais par exemple au travail parce qu'il est presque trop, alors pas audacieux, hein, on n'est pas sur du cuir, on n'est pas sur du oud, mais voilà, il a une petite note assez séductrice, assez coquine et assez intense, presque opulente, j'allais dire ouais opulente, mais c'est peut-être trop fort opulent, mais qui fait que je le réserverais peut-être plus voilà pour des soirées, ou vous voyez ce genre d'événement, vous voyez. Mais c'est sûr que c'est pas le parfum que vous allez mettre en pleine canicule ou dans un milieu médical, parce que c'est vrai que c'est un parfum qui a quand même du sillage. Il vous fait quand même une sorte d'aura autour de vous et il est très présent, mais c'est aussi ce qu'on aime. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un de ces parfums, lequel vous tente le plus, et surtout qu'est-ce que vous préférez voir. Plutôt les parfums frais, clean, tendance canicule, les parfums sexy et de soirée, et aussi sinon les parfums plutôt Moyen-Orient, arabe et tout ça. Donc je vous attends en commentaire, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Moi j'ai pris énormément de plaisir, je pense que ça se voit sur mon visage à faire cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite, bye bye.